Objet de valeur, ça, on peut rien en faire. Ah, moi, ah oui, câble électrique, j'avais pas vu. Du coup, je peux crafter un taser. Je sais pas qui t'es, franchement, je m'en cogne. Alors dégage de là. Elle est grande, la carte. Ouais. Et tout devrait bien se passer. Bon, est-ce qu'on continue? Moi, je veux bien, ouais. Alors, oui. repas. Allons à que bar? Tu veux nous rejoindre? Oublie ça. Tu tiendras. Ça me surprend pas que Rice se passe. Même s'il y a quelqu'un qui a dit salut sur ton stream. Oui, j'ai vu. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour, Elixir 74. Bonjour, Microminus. Donc, ça c'est de la chouette vie. Bon, faut que j'essaye mon nouveau couteau Taser. Putain, il est puissant. Oh bordel, j'ai 3 HP. Le couteau. Non mais le couteau. Le petit couteau. Et si tu fais des figures, tu as des concours de couteau papillon. Oui. Oh bonjour. Tu m'as fait peur. Hein. Mais arrête de te mettre dans moi, putain. Ça suffit, bande de clones. Allô? Ici Crane. Au rapport. Nouvelle mission pour Rice. Ça va être sale. Il m'envoie récupérer l'écran qui devient bleuté et tout. Rescapés du secteur. Oui. Voilà. Ne le lâchez pas. Gardez. Faudra faire des missions secondaires. Ok, oui. Terminé. L'armée des clones. Livrons la caisse. Oh putain, ce magnifique saut que tu viens de faire là. Avec les jambes dans le pylône en béton. Oh, il y a des caisses à ouvrir là. Des coffres. Ouais. Il y a des bus à visiter aussi. Oh, un câble électrique. Bah comment les zombies ils se voltent la gueule dans les bagnoles. Oh putain, shot back.
Jetback qui veut voir ma diffusion sur Steam. Karim, je suis au garage. T'as pris ton temps. Oh putain. Oh putain. Je mets un petit point de compétence. Sauter au-dessus des ennemis. Bon, attends, je lui file le lien de ton. Ça y est, je lui ai passé. Je lui ai donné. Pour réussir à rentrer. À rentrer où? Ramenez-vous ici. Ah, pardon, excusez-moi. Toi, je suis là. Ça dépend, t'es qui toi? Non, non, on n'a aucune importance. Putain, la voix du c'est mec. C'est toi, Jaffar. Tu lui dois de l'argent. Je te connais pas. Et putain, mais je vous dis que c'est les voix de Simpson, putain. Allez, fiche-moi le camp. Très bien. Voilà ce que je te propose. Je te casse les deux jambes et je te traîne jusqu'à chez Rice. Comme ça, il pourra t'expliquer. La belle moustache. Le fait de coopérer. Ça va, ça va. Tu fais clairement partie de la bande de Rice. Il s'est vomi dessus, quoi. Des brutes impitoyables. Ouais, c'est voilà dégueulasse. Prends-le. Et si je dois revenir ici? Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord? Pas taper. Ce fragile quoi. Karim, oui. C'est moi. Je viens de menacer un vieillard oui, de lui casser les jambes. Ouais, ouais, c'est ça. Ça a marché, je parie. Bon. Rien ici. Maintenant, tu vas chercher la taxe au village des pêcheurs. Un truc là. Dirige-toi à l'est vers l'entrée ah du non, tunnel. C'est une porte. Tu tomberas sur leur messager. Une porte. Allez voir le messager à l'entrée du tunnel. Sauter. Alors dans les poubelles, putain. Putain, les bruits quand on marche sur les toits en tôle, là, c'est bien fait, je trouve. Je fais des courses pour Rice. Il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, le temps presse. On a presque plus d'antigine. Et ça m'a dû de l'avouer, mais ça commence à m'inquiéter. Je fais de mon mieux. Il y en a qui viennent gerber à côté de moi, c'est dégueulasse. Je t'assurais que t'étais au courant de la situation. T'as oublié que j'étais infecté? La motivation me manque pas, crois-moi. Très bien. J'espère juste que tu pourras rentrer à la tour rapidement. Putain, il petit coup. Ça, c'est tout juif en fait quand tu passes. T'es entre les côtes, tu racles un peu comme ça. Ça suffit le racisme. Je sais pas, c'est typiquement genre. Oh putain, avoir, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je viens de faire un double jump. Ouais, tu peux sauter sur les zombies. Enfin là c'était un peu en l'air sur rien du tout quoi, donc c'est bizarre. Putain, encore en train de tabasser un pauvre zombie. C'est un noir en plus. Ouais. Attends, les petits coups de couteau, c'est parfait quoi. C'est dans le tunnel. On dirait. Ouais, c'est l'entrée du tunnel. Ah, un truc de police. Yes. Vas-y, crochette. Qu'est-ce qu'il y a, MG? Tu vois mes petits coups de couteau? Non, j'ai vu quand t'as glissé et que tu te relèves et il y avait les deux autres en train de mettre des coups de latte au par terre. Raciste envers les ombres. Envers les Z, là. Allez, vas-y, mec, ton cul là! T'auras peut-être un fusil à peu près dans le camion. Le capitaine, le mec, il s'est même pas crocheté dans le fourgon de police. Ah oui, on lui botte les culs, hein. Le corps de cul dans la couille. Putain, c'est malsain. Merde. Bon, c'est quoi le truc pour créer des compétitions là? H.
piller le maximum de biens. C'est ouvert. Voilà. Petit couteau de pêcheur. Oh, un pistolet 9 mm. Non, inventaire plein. Faut que je vende des trucs. Oh. Non, c'est les Mongols avec leur coup de pied. C'est glauque ici, ça ressemble à Metro Last Light un peu, les couloirs dégueulasses comme ça. C'est pas là, c'est derrière, oh. Messieurs. Oui, mais ici, y a du matos. Oh, du matos. Café, full. Un petit... Ah, le vieux sachet de... Le vieux polystyrène de kebab dégueulasse pourri ici, là. Et un truc à crocheter. Bonjour, s'arrête-t-on, j'ai laissé mon sandwich pourrir. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est dégueulasse. Fais voir. Oh mon dieu. Moi on allume la lampe. T. Oh merde, putain. Ça pue. Truc violet. Le bon sandwich. Captain expert en crochetage. C'est un crochetage difficile. J'arrive. Et voilà. Encore un petit course. Bagarreur. Ah, petit couteau sable. Comment si je veux faire. Comment on rentre ici? On peut. Je crois que je peux améliorer un truc que j'ai. Belle militaire. Ramenez-vous. Non, mais l'armée de clones quoi. J'arrive. Oh dégueulasse. Oh merde. C'était quoi ça? T'as les tripailles à l'air et tout. Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes yeux. Des enflés. Nos gars en utilisent parfois pour tuer d'autres infectés. Tu leur tires dessus et ils restent tout dans un rayon de 3 mètres. Tu plaisantes? T'approches pas et tout ira bien. Et le messager, tu l'as vu? Il y a un fourgon de police. Non, j'ai vu personne, à part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle Courcel. Il était super propre ce zombie MC. Oui. T'as très propre. Attends, j'ai un truc qui vient de popper en haut à droite là. Oh, c'est quoi ce truc de Steam là? Un pistolet encore. Une pelle. Merde, je suis blanc, faut que je lâche un truc. Oh, qui c'est qui a lâché sa masse? Moi, j'en veux plus. Bon, voyons voir. Non, tire pas, ça va. Non! Il explose tout seul, ce con. T'as l'air de roxer la pelle. Oui. Ah oh, putain, y'a le. Ça y est. Y'a le bomber. Ah. Ouf. Ah! Oui. Inflammable. Ça ressemble à autre chose. Ouais, je peux leur sauter au-dessus. Sans rien. C'est le son du jeu qui est encore trop fort alors que je l'ai baissé à presque rien. Un survivant en bas. Où ça? Où est le survivant? Merde.
J'aime pas trop la pelle, je préfère mon petit couteau électrique. Mais vous avez pas trouvé des armes, un peu? Ah mais mon couteau il est pété ou quoi? Le survivant est mort. Ça manque de machette quoi. Ça va venir après je pense, ces petites machettes. Les zombies en fine rondelle. Oui. Ça sert à rien de leur mettre un gros fusil dans la gueule. Putain, y'a une de ces saletés là. Karim, je suis à l'extérieur du village, mais ça grouille d'infecté. Éliminez-les, un point c'est tout. On est là pour protéger les gens, je rappelle. Alors protégez-les. Je sais pas si je vais réussir à les éliminer tout seul. Mais si, parce que si t'y arrives pas, t'auras affaire à Rice. Je t'ai expliqué ce qui se passait quand il était pas content, hein. Oh putain, ce monde. Ah, le fond, c'est pas trop voir là. Oh putain, tout ce qu'il y a. Ça suffit d'être autour dans le village. Oh putain. Saute ma kebjo. Non, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais y'en a qui meurent. Oh bordel, le molotov dans le bus. Oh merde, à droite, y'a en gros. Ce fail. Le fail. Non. C'est bon, il a explosé le gros. Je suis dans le bus, venez me sauver. Je peux pas remonter nous. Tant pis. Comment je vais arriver jusqu'à là? Oh putain, tombe dans le feu. Brûle, salope. Putain, ce jeu est d'une violence complètement conne. Quoi. Bah, l'oncle pont, faut pas passer. C'est fou. Non, on l'a pas nettoyé le village? Je sais pas, j'ai l'impression que si. Il y a un journal de combat là où je suis. Fallait fermer la porte en fait, tout simplement. Hop. Faut que je referme la porte avant qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Ouais. Salut. Rice m'envoie récupérer un truc pour lui. Y'a que moi qui vois les. Le oh. Vent dans les palmiers très bizarre. Ah. Oui. Faut faire quoi? Faut chercher dans la huit là? Il est au-dessus du magasin. Faut faire chier à toutes les portes. Voilà. Salut, c'est Rice qui m'envoie. Ton chef est dans le coin? C'est Rice qui m'envoie. J'ai quelque chose à récupérer. Il y a quelqu'un? Ah, merci. Il y a quelqu'un? C'est Rice qui m'envoie. Parler à Gursel. Oui. Ici. Gursel, ouvre la porte. Y a quelqu'un? Mais. Tu vas attirer les monstres.
Je les ai éliminés, mais vous feriez bien de renforcer la porte avant que d'autres se pointent. Tu les as éliminés? Tous? C'est Rice qui m'envoie. C'est toi, Gourcelle? Ah, tu travailles pour Rice. Ouais, évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Vous avez eu votre part, ça suffit. Vous ne pouvez pas en avoir plus, Firkin, dis-lui. Ah là, c'est bon. Laisse-moi parler. Vous ne pouvez pas vous servir de nous comme ça. Firkin va vous botter les fesses. Firkin! Ça suffit, je veux pas d'ennui, mais on a déjà payé ce mois-ci. À ce rythme-là, on sera vite à sec. C'est pas mon problème. Rice veut son argent. Alors, tu me le donnes, sinon ça va mal tourner pour toi et pour ta femme. Vous ne pouvez pas nous menacer. Botte-lui les fesses, Firkin. Ferme-la un peu, Ayla. Très bien. Tiens, le compte. Tu parles d'un homme, toi. Elle est connue aussi sa voix, là, au vieux. Allez, je te laisse. Ouais. J'ai l'impression que l'argent est le cadet de tes soucis. Laisse-moi entrer. Karim, j'ai l'argent de Gourcelle. Ouvre la porte. Je me déteste, porte. Mais j'ai l'argent. Ça passera, t'inquiète. Il te reste un tour à faire. Cette fois, tu vas aller au débarcadère, au vieux port. Il y a des bateaux ici? Il y en avait un avant que les militaires le coulent. Des dizaines de gens se sont retrouvés à attendre un ferry qui n'est jamais arrivé. Il y a donc une colonie là-bas. Va vers l'est et tu tomberas dessus. Il reste des bateaux? Oui, et les bateaux qui tentent de quitter la baie sont immédiatement coulés. Il y avait un plan à récupérer. Où ça? Juste où je suis. Colis et clou. Une note? Oh. Ouvrir. Sauver les survivants. Merde. Je viens de la part de Rice. Hein, encore? Mais on vient de vous donner de l'argent. Je lui mets une grosse balle dans la tête, est-ce que c'est efficace? Vous faites quoi là?
J'y suis pour rien. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. Nous aussi. Reich nous a dit qu'il nous protégerait si on le payait. Mais jusqu'à présent, il nous a pris notre argent et c'est tout. Il n'y a pas de protection, juste des menaces. T'es pareil, je suppose. J'ai une mission à terminer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je menace de tout brûler ici? C'est dingue, vous êtes tous pareils. Des putains de monstres. Toutes mes économies sont là. Prends-les et dégage. Si ça peut te consoler, je suis là contre mon gré. Si je pouvais, je vous aiderais. Ouais? Mais tu le fais pas. Bah ouais. Dès qu'il y a sa lampe allumée. Qui c'est qui a tout le temps sa lampe allumée? Putain. C'est Willus. J'ai récupéré l'argent au débarcadère. Je suis quasiment sûr que je vais aller en enfer. Ta lampe allumée. Tu seras pas tout seul. Allez, viens chercher ta récompense à présent. Bon travail. Chercher la récompense. Faut que je vende des trucs, moi. Offre limitée. Oh. Ouais, ça c'est le blueprint. J'achète. Oui. Le prix des trucs matraque 6 000 $. Ah, j'ai pas ça. Plan de clé de Benjamin Franklin. Je vais pouvoir lancer des tasers sur les mecs. Un truc là. Ah putain, je peux créer des points américains avec des couteaux. Quoi là, ok? Je sais pas, une quête ou un truc. Je m'appelle Neil Fallon. Je suis journaliste pour le magazine Affaires Internationales. J'ai entendu parler de toi. Ah bon? Comment t'as fait pour venir jusqu'ici? Au début de la quarantaine, c'était pas trop dur. Et puis, quand Suleiman a pris les commandes, on a tous compris comment les choses allaient tourner. Et tu as décidé de rester? Non, j'ai décidé de partir. Mais je sais pas si je vais y arriver. J'ai déjà connu des villes fermées, en général, il y a toujours quelqu'un qu'on peut soudoyer. Mais pas ici. Je peux pas te faire sortir de Harran. Personne pourra le faire. Je sais bien. Mais je suis ce qui se passe ici depuis le début. J'ai interviewé des centaines de personnes qui ne sont plus des personnes. Suleiman est un monstre. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe ici. Et en fait, j'ai perdu mon travail. Mes notes, mes photos, tout. J'ai été attaqué par des infectés dans un cybercafé. Je m'en suis sorti, mais j'ai laissé ma sacoche sur place. Et tout est dans la sacoche? Pratiquement. Ils m'ont poursuivi un certain temps et j'ai fini par jeter mon appareil photo dans une voiture. Écoute, je sais que je t'en demande beaucoup, mais... Tu sais, même si je récupère tes affaires, c'est pas pour ça que tu réussiras à quitter la ville. De toute façon, si je ne récupère pas mes affaires, je n'ai aucune raison de sortir. Le café se trouve dans une zone dangereuse. Je vais y réfléchir, mais je te promets rien. Bon. Moi, elles sont indiquées, ces quêtes. Willus, ta lampe. Et point Pardon d'exclamation. Ta lampe. Ah, tu l'as ouais, loupé là, plein. Là, ici, il faut aller chercher son truc de merde. Okay. Ah, c'est un rond sur oui. La carte. Ouais. Je place le waypoint. Waouh. Point de navigation de Captain Beef. Non, Tizi, le plus simple c'est d'aller voir. Putain, j'ai mis des lames sur ma pelle en plus. Nice. Ça, c'était le truc en. Putain, ce saut que t'as fait à Marz. Trouble. Oh putain. Oh merde! Putain!
Le zombie tout électrifié. Merci de m'avoir balancé le zombie sur la gueule. Allons-y. Attendez-moi au moins, je suis en train de revenir. Ici Jade, depuis la tour. Il va bientôt faire sombre. Si vous ne pensez pas pouvoir rentrer, trouvez l'abri le plus proche. Bonne chance. Hey, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? On a un zombie qui court. On essaie de maîtriser la situation, mais bon. Écoute, Crane, il nous faut de l'antigine, et tout de suite! Rice m'en a promis deux caisses, Bricken. Deux caisses! Je fais aussi vite que je peux, je te promets! Ah. Dépêche-toi, je t'en prie! On va où, putain? Bah, ton point. Et plus, c'est lequel? Bah, le point jaune et bleu. Il y a des caisses là, dans la flotte. En bas là. Mais la flotte elle a pas l'air géniale. Oui, elle a l'air un peu dégueulasse. Bon, allez, je vais regarder Sin City, à tout à l'heure. Adieu. Du lichen. Oh. Ouais, je vais monter. Oh, des caisses. Il va faire nuit. Encore une pelle. On peut pas monter là. Non. Et par là on peut. Ouais. J'ai l'impression, oui. Merde. Ah, y'a un truc aussi là à récupérer. On va faire un headshot. Oui. Ouais. La nuit tombe, putain. Ah bah c'est quoi? Un taser. Non. Petit couteau exquis. Il y a un truc à faire en haut de la tour. C'est ça? Ouais, j'ai ramassé. Attends. Il était sur le meuble, viens là. Ouais, je lui ai lancé à la gueule. Petit couteau exquis. Déposé. Voilà. Merci. De rien. T'es foutu des tapis dans les tours. Pourquoi on monte là? Y'a un truc à faire. Y'a un petit rond.
passer le temps, dit. Oui. Ah oui, c'est une zone sécurisée. Merde. Oh putain. J'ai vu sauter. Ah merde. Putain. Putain, mais c'est très... Comment on fait pour sauter sur cette truc? Ou le drapeau. Ou merde. Putain, j'ai peur. Fait peur. Putain, c'est joli comme ça quand tu grimpes le tour la nuit. Le drapeau. Le drapeau. Ouais. Là. Et là, on te pousse. La nuit arrive. Il y a des poubelles, je crois, en bas. Ouais, tu vas y arriver à la viser, la poubelle. C'est parti. Putain. Merde, non, putain. Oh, putain. Oh, HP. Il y a pas une tyrolienne à acier. Moi, je suis mort. C'est ça, je suis tombé à côté des filles. Ça fait mal. Putain de merde. Fait bien nuit là. Il est bien stable quand même leur multi. Ouais, ça va. Mais là c'est la nuit, ça fait un peu peur quand même, non? Pas du tout. Je parle au grand courageux de Redface ici. Oui. Faut éteindre votre torche pour pas vous faire opérer. Ah bah là... Merde, attends, je viens de lancer un truc. Oh bordel! Sortez votre torche UV. C'est quoi la torche UV? C'est dans l'inventaire là. Ah, j'ai des flares UV. Oh merde. Qui nous a vu? Il y a un truc qui nous a vu là. C'est ton truc qui l'a attiré, non? Mais non. Mais non, ça les voit pas les trucs UV. Ouais mais il a réagi pile quand tu le mettais. Ah, regarde, je vais y lancer, on va voir. Ouais, il s'en bat les couilles. Ah, vous êtes où? J'ai peur. C'est chiant l'inventaire là. Ah, y'a un truc défusé ici. Vous êtes où, putain? Y'a Amras qui est loin là, et moi je suis juste à l'étage en dessous de vous. Putain, Amras il se barre tout seul. Bah non, on était tous à côté. Oh merde! Oh putain! Je crois qu'ils nous ont vus, putain! Oh putain, j'ai jeté un truc UV. Ils sont pas contents. Attends, oh putain, y'en a un qui est en train de grimper! Oh putain, Willous, adieu! Profite de cette Willous pour nous merde. En aller. Okay. Oh putain, je suis mort! Merde, ils m'ont vu aussi! Putain, je suis tombé! Venez me soigner, bordel! Moi, je suis parti, ma Kemjo! Enfoiré! Je
plus qu'à en tuer un. Palan, c'est moi. Je suis à côté du café. Je fais quoi? Évite les latés. Ils ont tendance à brûler le lait. Et où le dernier merde? Oh merde, putain. Bah c'est bon. Putain, bras, il y en a un juste en haut. Non merde, putain. C'est bon, il est parti. Mais vous êtes où? Dans la maison, il y a un truc à sécuriser. Ah putain, moi je suis à mon point. D'ailleurs, c'est bon, c'est fait. Allez, rejoignez-moi. Oui. On va où là? On passe par bien, Oula, c'est quoi ce passé? C'est un bargage dans l'eau. C'est bien fait les flares au loin. Tu vas où avoir? Bah là il y a une quête, je crois. Oui. Amaraz, on va avoir de la visite. Ah. C'est du monde dans la porte. Oh merde! Non. Aïe. Non, putain. Oh non. Bonjour les zombies explosifs. Pété. Je te sauve, Amaraz. Putain, les zombies explosifs quand je vous la porte, bon j'ai vu. Il y a une petite statuette ici. Putain, on peut regarder en arrière quand on court. Il y a un autre truc ici aussi. Une note. J'ai trouvé ta sacoche. Où se trouve la Aïe. Photo? C'est génial. Il est dans le coffre d'une voiture noire. Sur le pont. Merde, derrière. C'est pas une super nouvelle ça. Oh, j'ai fermé la porte avec. Mais du coup on a trouvé ces putains de bordel. Oui, hein. Bah il y a la suite, l'appareil photo du mec. Je sais pas où c'est. Parce que je vous la porte. Juste... Ah non c'est loin merde. Oh putain. Bah au pire attends. Attends si... Ils sont juste derrière. Ils s'entendent. Tu peux les voir quand tu fais A. Ah, ça te scanne autour. Ouais, putain le bruit. Oh, il y a un gros en plus. Il y a un gros, il est juste devant la porte là. Oui. Distrait le mec Emjo. Attends. Bon, je vais vous laisser là, je vais faire une pause. Putain. Putain. Enculé de zombie. Oh comme tu m'as fait tomber. Moi je vais rejoindre ma camjo. Vous êtes où en fait? Bah, en bas. En dessous. Qu'est-ce que vous faites? Il y avait un truc à récupérer.
Ah. Ça, vachement bien fait, là. J'aime beaucoup. Oui. Faut aller au truc. Je l'ai pas récupéré, ouais, le machin, le truc vert. Mais ça l'a fait pour tout le monde. Ah bon? Oui. Putain, j'ai des points de compétence. Oh, je peux faire un... Ouais, c'est ce que j'ai pris. Le piège lumineux. Ah, mais on est tout près de notre immeuble là. Oui. Il y a le truc à rendre à l'intendant. Faire ça. Oui. On y va de jour ou de nuit? Bon, on y va là. Oh merde. Putain. Merde, oh putain, Pral. Oh merde. Putain, j'ai sauté par la fenêtre. Je te garde. Ils sont super cons parce que j'étais derrière l'étagère, il m'a pas vu. Il y a une safe zone juste ici, putain. J'y suis presque. Hey, t'es où? J'en sais rien, j'ai fait la moitié de la route, je pense. Super, il faudrait que tu fasses un petit détour. Pourquoi? Une de nos patrouilles a disparu aux alentours du marché. Tu arrives pas à grimper au barreau, quoi. C'est pas mon problème. Salut maintenant. Tu vas les retrouver. Sinon, c'est pas la peine de rentrer. Je suis caché dans une maison, putain. C'est bon, c'est le jour, quel jour. Putain de merde. C'est tout. À la base. Ah oui, elle est juste là, ok. Hey, t'approches pas des gars de Rice. Tire pas. Bon, je vais les manger moi après. Bon, faire une petite pause. Ouais, ça fait 3 heures qu'on est dessus là. Oui, bah, je quitte. Est-ce que ça a sauvegardé là si on est. Normalement, oui. Bah, je pense. Parce que tout à l'heure, j'ai quitté la sauvage et ça a revenu une mission en arrière. Ouais, normalement, ouais. On verra bien. Bon, on se rejoint en combien de temps? Je sais pas. Temps de manger quoi! Quoi, une heure? Ça, moi je vais me poser dans deux jeux, ouais. 3h32. Merde. Bon, à dans une. Tu vas dormir toi si tu te poses dans ton pieu. Je vais faire une sieste. Sieste de 10h. Tu t'es pas couché cette nuit, Captain? Non. Mais. Allez, bonne nuit, à tout bonne nuit à tout à l'heure. Voilà, tu le vois pas avant 19h ce soir.